Et yo les potes, c'est Alcano. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui les potes, on se retrouve sur Minecraft pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, vous êtes au courant. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve voilà pour une vidéo assez simple, voilà, avec la famille les amis, avec Momo et Lily. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est dimanche, donc vous êtes probablement en week-end ou en vacances pour certains. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si il vous reste une semaine de vacances, une semaine de cours, pardon, ou pas, ou si vous êtes en vacances. Voilà, vous n'hésitez pas à me dire ça en commentaire comme d'habitude. J'espère que vous avez vu la vidéo qui est sortie hier les amis. C'était la vidéo ne choisissez pas le mauvais tunnel avec les super-héros. Elle vous a énormément plu, je vais pas vous le cacher qu'elle vous a bien plu les amis. Donc voilà, si elle vous a plu, eh bien je vous invite à me dire si vous voulez un nouvel épisode tout simplement. Et donc voilà les potes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir mes enfants les amis. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est le gros bouton rouge qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Voilà, le bouton rouge qui se trouve là juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit. N'hésite pas à cliquer dessus et à t'abonner, comme ça tu reçois toutes les vidéos dès qu'il y a une vidéo qui sort. Et bah t'es au courant en activant la cloche de notification une fois que tu t'abonnes aussi, la petite cloche, tu vois, c'est pareil, c'est gratuit, donc n'hésite pas. Et puis voilà, donc ce qu'on va faire les amis, c'est que on va aller voir mes enfants. Et voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude aussi à liker la vidéo et à aller voir la boutique de vêtements qui se trouve en description. Vous êtes nombreux à commander en ce moment, donc ça me fait très plaisir. N'hésitez pas, avec le, vous avez 10% de réduction avec le code REDUC vacances 10, VACANCES, voilà, vacances avec un S et après 10 sans espace, et vous avez 10% de réduction sur n'importe quelle commande les amis. Donc il y a des t-shirts, des masques pour se protéger du virus, il y a des coques de téléphone, des suites, des t-shirts, enfin bref, il y a plein de collections. Bref, voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir mes enfants les amis. Donc est-ce qu'ils sont là? Mais il n'y a personne, qu'est-ce qu'ils font? Attendez, on va les espionner. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui marque? Je fais un tag. Mais il fait un tag sur le mur, mais il est sérieux? Mais il est sérieux là? Mais quoi? Il marque quoi? Qu'est-ce qui... Wesh là? Attendez. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, mais il est en train de taguer le mur. Wesh là? Attendez, qu'est-ce qui marque? Wesh là quoi? Wesh la cité. La cité. Mais... Ah, oh, la cité, ok, il a mis 6T, ok, d'accord, ok, wesh, ouais, la cité. Bon, par contre, on va aller le disputer, Momo. Vas-y, tu veux la cité chez où? Salut, papa. Ouais, salut, papa, ouais. Bienvenue dans la cité. Ouais, bienvenue dans la cité. D'où tu tagues les murs, là? Depuis quand on passe sur les murs? Lily aussi, elle en a fait un ici. Pourquoi Lily, elle en a fait un? Mais qu'est-ce que vous... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrêtez de taguer les murs, mais qu'est-ce que vous foutez? Mais c'est pour que ça soit plus décoration. De quoi, plus que ça soit plus décoration? C'est pas français ce que tu dis. Si. Non, c'est pas français, on dit c'est pour que ce soit plus décoratif, mais c'est pas plus décoratif que ça, donc quand on va bientôt faire un bat 7, Lily. Un bat 7, non, on va rien faire du tout, vous allez enlever tout ça. Allez, hop là, allez, hop là. Allez, Lily, plus vite que ça, on enlève ça. On enlève tout ça, allez, on enlève tout ça, allez, c'est parti. Voilà, non, mais on est où là? On est où là, Lily? Plus vite que ça, Lily. C'est parti, allez, plus vite que ça, on enlève tout ça. Allez, nettoie plus vite que ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les enfants? Lily, elle a une grande information pour toi. C'est quoi la grande information? Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Un truc bizarre. De quoi vous avez trouvé un truc bizarre? Chez le médecin. Chez le médecin? Oui. Enfin non, pas chez le médecin. Non mais Lily, elle est dyslexique. Elle a un problème. Chez le Lily, elle vient de me dire, on a trouvé un truc chez le médecin. Et j'ai fait, mais what? Mais de quel médecin il parle? C'est plutôt ça, comme ça. On t'entend même pas. Faut qu'il donne des médicaments pour la gorge là. Oui, c'est ça, faut que le médecin il donne un médicament pour la gorge, parce qu'on t'entend pas. Tu parles tellement bas. Bah, tu parles pas assez fort, hein, clairement. Ouais, qu'est-ce que t'as mangé, Lily? Lily, je sais pas ce qu'elle a mangé. Elle a mangé du chien, je pense. Bon, tu fais quoi là, Momo? Qu'est-ce que tu fais? Je suis le bat 7. De quoi le bat 7? Mais de quoi tu. Mais enlève ça, Momo. Bon, Lily, parle plus fort, s'il te plaît. Vraiment, on t'entend pas, Lily. Ouais, il a dit comme Pong. Comme Pong, ok. Bon, du coup, les enfants, qu'est-ce que vous voulez me montrer? C'est quoi? Moi, déjà, je m'appelle Florian. Qu'est-ce qu'il y a? Parlez pas en même temps, on comprend rien. Qu'est-ce qu'il y a chez le voisin? De quoi vous parlez? Bah, suis-moi, regarde. Vas-y, je te suis. Momo, suis-moi, j'ai pas envie de faire des bêtises. Qu'est-ce qu'il y a? Les amis, restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque je sais pas ce que veut montrer Lily. Bon, on va voir ce qu'elle veut nous montrer. Alors, où est-ce qu'elle va? Elle est où? Elle est passée par là. Ok. Ouais, il faut qu'on sorte. Qu'est-ce qu'on fout là, Lily? On fait quoi? On fait le tour? On rentre chez le voisin? On va à Walt Disney. Sans lui demander son autorisation.
On s'en fiche, son autorisation. Ok, par contre, Lily parle vraiment plus fort parce que par rapport à Momo, on t'entend. Sinon, on va te mettre un coup de coude dans la tête. Ouais, on va te mettre un coup de tête balayette. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Ah, mais t'as chié une cigarette. Attends, Momo, s'il te plaît, les. Le, ouais, ouais. Le... T'as fait caca, arrête ici. Moi, c'est pas ici. Mais c'est quoi ça? Wesh. Ça doit être un chien qui a fait ça, qui a creusé un trou. Un chien qui a creusé un trou? Et pour cacher son os. Pour cacher son os, tu crois? Les amis, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est un chien qui a caché son os là-dedans. J'ai un doute. Je veux pas te le cacher que là, j'ai clairement un gros doute. Je pense pas que ce soit un chien qui ait creusé, qui ait mis un os. Attendez, vous pensez vrai? Non, y a pas d'os là-dedans. Mais attendez, mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce trou? C'est peut-être un obus qui est tombé dedans. Un obus qui est tombé dedans? Tu penses qu'il y a un obus qui est tombé dedans? Genre une bombe qui est tombée dedans? Ouais. On dirait plutôt, tu sais, comme un. Tu sais, comme, tu sais, comment on appelle ça? Une foreuse, mais tu sais, géante. Tu sais, les, tu sais, comme qu'on voit dans les films. Ah, mais t'imagines, c'est les obus de la ville qui sont tombés dedans. C'est juste un trou. C'est juste un trou. Ouais, bon. Par contre, attendez, moi je suis bien. Tombe pas dedans. Bah, tombe pas dedans. Vous êtes pas chaud d'aller voir ce qu'il y a dedans? Mais attendez, mais c'est un délire. Les amis, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà vu ça sur Minecraft. Ouais, du pipi de Carlos, ça fond. Non, mais attendez, en plus, il vient d'être creusé, il y a encore des bouts de terre et tout. Du pipi de Carlos. Bon, bah, vous savez quoi? Bon, venez, on saute, venez. Ok, wesh. Ok, bon, je sais pas par contre comment on va faire pour. Ah, mais t'es dégoûtant, mais on sait même pas ce que c'est ça. Si, c'est pipi de Carlos, c'est ouvert. Pipi de Carlos, je sais pas ce que c'est. Bon, les amis, du coup, bah, vous savez quoi? On va aller s'aventurer là-dedans, les amis. Donc, on va bien voir ce qu'il y a. Bon, vous avez Mais vous arrêtez de boire ça, vous savez même pas ce que c'est. Bah si, voisin, c'est bon pour la peau. Non, ça se trouve, c'est des déchets radioactifs. Faut plonger la tête dedans, Ah, mais mettez ça, mais vous êtes sérieux, mais c'est dégoûtant, ça se trouve. Mais attendez, on dirait en plus, on est dans des égouts. Mais c'est quoi ce délire? Bon, attendez, vous savez quoi? On va visiter cet endroit, les amis. On va découvrir ensemble ce qu'il y a dans cet endroit assez étrange. Ça s'arrête, j'avais bien remarqué. Bon, venez, on va aller par là. On va aller par ici. Bon, les amis, on va continuer à explorer cet endroit. Je sais pas du tout ce que c'est. Ok. C'est quoi ça? Ok, reculez. Une tortue ninja. Reculez. Je sais pas si c'est une tortue ninja ou quoi. C'était quoi ça? C'est le Joker ça. Mais c'est quoi ce délire? Ok, attends, mais il y a une arme à feu. Ça tire. C'est bon, on arrête, monsieur, on arrête. Ok, les amis, je me suis barré, les amis. Ok, c'est quoi? Ok, ils ont pris. Il a capturé mes enfants. Ok, il a capturé mes enfants, les amis. J'ai regardé. Ok, les amis, je sais pas où sont Lily et Momo. Attendez, parce qu'on dirait que Momo, il a disparu, là, d'un coup. Attendez, Lily a disparu aussi. Ok, on va refaire le tour, les amis. Ok, mais attendez, mais c'est quoi ce délire? Ok. Ok, les amis, attendez, mais on dirait que c'était le Joker, les potes. On dirait qu'il y a le Joker dans ma ville, maintenant. Oh, attendez, enfin, mais c'est quoi ce délire? Attendez, je suis choqué de ce que je viens de voir. Ok, bon, vous savez quoi? On va continuer à explorer les goûts. On va continuer à explorer les goûts. Ok. Alors attendez, par où allons-nous aller? Ok, on va aller par ici, les potes. On va aller par ici. Qu'est-ce qu'on a par là? Ok, je sais pas du tout. Ça me fait assez peur cet endroit. Ça me fait assez peur, les amis. Ok, on va continuer. Tac. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, ça va par là. Ok, il y a une grille qui. Ok, il y a une grille qui bloque ici et on dirait que ça continue par ici. Bon, j'ai pas de quoi la casser cette grille. Ok, bon, va falloir que je trouve un moyen d'ouvrir cette grille. Qu'est-ce qu'on a là par là? Ok, on a un autre chemin. Bon, vous savez quoi? On va aller explorer ce chemin. On va aller voir ce qu'il y a au bout de celui-ci. Les amis, je sais pas trop ce qu'il y a là-bas. Ok, bon, attendez, c'est quoi? Non, c'est même pas un cul-de-sac, ça a l'air de continuer. Bon, vous savez quoi? On va aller voir par là. Ok, ça continue encore par là. Bon, on va faire. Ok, il y a un coffre juste là-bas, les amis. Je sais pas s'il y a pas une peut-être une pioche dedans, je ne sais pas. On va bien voir tout ça, les amis. Tac. Ok, bon. Ok, c'est quoi? Des échelles?
Ok, d'accord. Bon, bah, vous savez quoi, je vais prendre les échelles. Il y a des échelles et des blocs de pierre. Bon, bah, vous savez quoi, il y a de la cobble. Bon, on va repartir d'ici, les amis. On va voir parce que le truc, c'est que là, je suis même pas équipé. J'ai aucune arme. Il y avait le Joker qui était là avec des armes à feu, les amis. Il avait des armes à feu. Là, j'ai pas de pioche. On y allait. C'est débile. Hein. En vrai, ce que j'ai fait, c'est débile parce que en vrai, de vrai, c'était ultra dangereux. On sait même pas à quoi. Enfin, là, c'est clairement de ma faute. Hein. Là, c'est clairement de ma faute. On y allait dans un trou. Genre assez bizarre, genre vraiment assez assez étrange. On savait pas ce qui nous attendait dedans. Et en plus de ça, bah du coup il y avait un méchant qui était dedans. Et mes enfants étaient capturés. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais ressortir. Donc là je vais aller chercher du stuff. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo les amis. Voilà, et n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Avec du coup on découvre un nouveau monstre les amis. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que le colonel Clark sera de retour. Donc, attendez, on va aller voir par là. Le colonel Clark sera de retour pendant sans doute les vacances. Donc là, en ce moment, d'ici les 3 prochaines semaines, il sera là au moins les prochaines semaines. Peut-être directement la semaine prochaine ou quoi. On verra ça, les amis. Ok, bon, aucune trace de mes enfants. Bon, ce qu'on va faire, les potes, c'est qu'on va ressortir. Ok, on va ressortir d'ici. Aucune trace, voilà, du... Enfin, le colonel Clark, du coup, ce que je disais, c'est que on va essayer... Ok, on va remonter d'ici d'abord. On va essayer de le tuer, les amis, définitivement. Voilà, parce que vous êtes nombreux à, quand même à me dire d'essayer de le tuer. Donc, on va faire ça. On va le faire, ok. On va le faire. Faut juste trouver avec qui, comment, etc., etc. Donc, je vais remonter, tac. Tac, tac, ok, on va économiser des échelles aussi. Hop là, parce que si jamais j'ai pas assez d'échelles pour remonter, même si je pense que c'est pas le cas, bah voilà. Hop là, hop là, hop là. Ok, bon, du coup, les potes, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va aller ici. Ok, j'ai bugué. Tac, 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 tac. Ok, c'est bon. Du coup, les potes, on va remonter. Ok, va falloir qu'on s'équipe les amis pour aller libérer mes enfants. Donc on va faire un petit escalier ici. Hop là, hop là, ok. Bon, du coup les potes, on va se laisser pour cette vidéo demain, dans la vidéo de demain les amis. On va essayer de découvrir la totalité du reste de l'égout. Et essayer de libérer mes enfants. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Demain 10h, nouvelle vidéo, 10h du matin, nouvelle vidéo, puisque c'est les vacances pour certains. Et puis voilà les amis, on va se laisser pour cette vidéo comme d'habitude. C'était Talcado, n'hésitez pas à aller voir la boutique de vêtements, à vous abonner, à liker. Vous pouvez partager à vos amis, voilà, à l'école, même si vous allez à l'école, vous faites ouais machin machin, Talcado il fait des vidéos sur Minecraft et tout, si tu connais pas Minecraft, tout ça, t'aimes bien les aventures, et ben regarde parce que c'est cool et tout, voilà. Et sur ces amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les potes.